Préparez-vous pour la visite de la baie des jumeaux. J'adore les visites. Oh, je veux voir ça. Et puis ça aussi. Oh, et je veux voir. Quoi? L'obscurité totale. Easy. Je croyais que tous les pièges étaient désactivés. Note à moi-même, vérifier les pièges à licorne. On a besoin de ton aide. Le bouton de déverrouillage ne marche pas. Alors comment on va le sortir de cette boîte? Je vais bien. Ce sera amusant. Je me suis jamais déguisée en boîte avant. Mais j'avais préparé une visite avec des étapes que vous auriez toutes adorées. Comment Izzy pourrait la faire dans une boîte? Oh, tu viens de me donner une idée. Je lévite, j'ai réussi. Est-ce que je suis une boîte en lévitation? Tout ça est ridicule. Tu ne verras rien du tout. Mais je peux utiliser mon imagination. J'annule la visite. Oh. Hein? Hein? Mais attends, Itch, regarde. D'accord, très bien. Alors, suivez-moi. Notre visite commence avec la place de la ville de la baie des juments. Dernière étape, la plage. Je sais que t'aurais adoré, Izzy. Mais j'adore, Itch. C'est mon endroit préféré de la baie des juments. On regarde un parc-mètre, c'est bien ça? J'adore vraiment ces objets. Ça suffit! Il faut qu'on sorte Izzy de cette boîte! On n'arrivera jamais à ouvrir cette prison en forme de cube! Non, n'abandonne pas déjà, H! Il faut qu'on y réfléchisse. Toi et moi, le poney et la boîte. Izzy! Là, je sens que je vais me réveiller. Ma visite parfaite est fichue. Allons, allons, mon petit Itch. Raconte-moi ce qui t'arrive. Cette visite était censée vous montrer que la baie des juments est un endroit où il fait bon vivre. Itch, mission accomplie. On a tous adoré. Et c'est grâce à toi. Mais oui, c'est vrai. J'ai toujours rêvé de visiter le Pont Nouvre. C'est vraiment un musée fantastique. Et le cours de vol en corde était génial. Je vais essayer de le perfectionner. Alors, vous aimez bien la baie des juments? On l'adore. C'est la meilleure visite que j'ai faite. Vraiment. Tu vois, Itch, quand les choses ne se passent pas comme prévu, il faut juste être patient. La vie est une boîte à surprises. Une boîte à surprise ou une boîte de secours? De secours! Je suis de nouveau une licorne! On a passé des moments fabuleux. Pas vrai, petite boîte? Maintenant, je peux faire la visite! Allez, suis-moi et tu vas voir. Maintenant, j'espère que vous vous sentez tous bien et relaxés. Itch! Sunny!
Izzy ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pardon, Tim ! Maman, maman ! Mais que se passe-t-il ? Très bien. Que personne ne panique. Je suis sûre qu'il y a une explication tout à fait raisonnable à ça. J'ai juste besoin de réfléchir. Qui est prêt pour une séance de chuchotage? Non, non. S'il vous plaît, si Zip vous voit dans cet état, elle va vraiment être... Oui. Nos amis sont des pouliches. Et des poulains. Et tu as une explication? Attrape cette pouliche. Ruby, comment c'est arrivé? Aucune idée. Je commence à le craquer. Ruby, essaie de te calmer et raconte-moi ce qui s'est passé. Chaque détail, depuis le début. D'accord, alors j'avais invité tous les poneys à Melodia pour une journée géniale de spa. Et tout le monde avait l'air d'apprécier, ils étaient si détendus. Tout était vraiment parfait. Ce serait dans ce qu'ils ont mangé, ou ce qu'ils ont bu, ou dans les flacons de produits de beauté bizarres. Ces produits ne sont pas bizarres. Le tondou est un chiot. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ça? Oh, c'est mon nouveau et totalement naturel fabuleux masque fruité. Et pourquoi est-ce qu'il brille? Eh bien... Tu as mis des paillettes magiques dans ce masque de beauté? Je ne savais pas qu'elles étaient magiques! Mais comment on va verser ça? Oh, Sunny, on ne mord pas! Allez, Ruby, tu peux réparer ça. C'est totalement dans tes cordes. Réfléchis, le masque a des ingrédients pour vous faire paraître plus jeune, mais peut-être qu'avec un mélange différent d'ingrédients, tu peux les faire paraître plus vieux. Zip, je viens d'avoir une idée. Ruby, je vais t'aider. Il était une fois deux sœurs Pégase qui étaient très différentes. Et même si leur goût était très différent, vraiment très différent, cela faisait que leur vie ensemble était si amusante. Tu me racontais aussi des histoires pour dormir. Les sœurs voyagèrent ensemble à travers Equestria. Hey, waouh! Je me sens rajeuni! C'était incroyable! Je vais aller parler de cette séance à tous mes amis! Il faut qu'ils essaient ce nouveau spa! Waouh! Vous avez l'air épuisées toutes les deux! Vous devriez vraiment essayer ce nouveau masque du visage! Bienvenue dans la maison de nos rêves! Tranquille, MacPin sans rire. Oublie la maquette, nous allons rendre le vrai phare de cristal parfait.
Maintenant, on va passer chaque minute de chaque jour ensemble pour le reste de nos vies. Quoi? Ça va être vraiment iconique. Et je vais apprendre à ce petit gars à construire une étagère. Tu sais, je suis plutôt du genre à droite de mes sabots. Oups. Il y a beaucoup à faire, mais on peut tout réaliser si on travaille tous ensemble. Alors, je pense que si nous... Quel enthousiasme! J'adore ça! Attendez-moi, les amis! Bonjour, les petits rubis! Et bienvenue dans notre tutoriel de transformation extrême de maison! La couleur par ici, la couleur par là, et on aura vite fini. C'est joli tout ça! Car on sait qu'à plusieurs la tâche est plus facile. Et quand chacun s'entraide, on devient tous plus habiles. Alors travaillons, il y a quelque chose à faire. On se démène ensemble, c'est loin de me déplaire. Alors travaillons, construisons nos rêves. Car quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien, rien qui nous arrête. C'est bon ça! Franchement, ce ton est... Ouais, mes mesures sont claires et précises. Ok. Bon, on aura vite fini. Et demain sera vraiment excite. Chaque poney porte en lui une part de magie. Et quand j'ai besoin d'aide, je peux compter sur mes amis. Alors cette toile vierge est en train de recevoir un traitement royal. De grands rêves pour une si petite maison. Hey, il en faut encore. Pour du design, mise en valeur. On se démène ensemble, c'est loin de me déplaire. Que dites-vous de mon rôle au majordome de petit déjeuner? Allez, ma sculpture de glace est en train de fondre. Paillette, 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 paillette. Joli ça! Paillette! Paillette! L'étagère n'est pas droite! Tous les amis! Je n'arrive pas à comprendre. Je pensais que ce serait facile de travailler ensemble, mais en réalité, c'est le désordre total. J'aimerais que tu sois là. Tu savais toujours comment faire sortir le meilleur de moi. Et en ce moment, j'ai vraiment besoin de faire le meilleur. Attends, peut-être que c'est ce que mes amis ont besoin que je fasse. Il faut que je réussisse à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Merci, papa. Écoutez-moi tous, arrêtez-vous! Alors, j'adore toute l'énergie que vous avez mise ici, mais on est censé travailler ensemble, pas chacun de notre côté. Et le résultat... est catastrophique. Oui, je n'osais pas vous le dire, mais... Je me sens complètement dépassée. Cette transformation est fichue! Rien n'est fichu, c'est un travail en cours. Allez les amis, on va y arriver. Tous ensemble! Alors travaillons, construisons nos rêves. Car quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien, rien qui nous arrête. Travaillons, il y a tant de choses à faire. On se démène ensemble et c'est loin de me déplaire. Alors travaillons, construisons nos rêves. Car quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien, rien qui nous arrête. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Ne touche pas, MacPin sans rire. Il est vivant. Bon monstre, prends vie!
Broken Poney. Je ne le demanderai qu'une seule fois. Qui a pris mes lunettes de soleil? Tous les quatre, suivez-moi. J'adore ce que t'as fait de cette pièce, ma sœur. Wow, c'est très recherché. Commençons par le premier suspect qui nous intéresse. Qu'as-tu à dire, Itch? Tu te souviens de cette matinée à la plage, shérif? Une nouvelle journée ensoleillée à la baie de Port-Poney. Dommage que j'ai laissé mes lunettes de soleil au bureau. Alors je vais te voler les tiennes, Zip. Objection! Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Une nouvelle journée ensoleillée à la baie de Port-Poney. J'aurais aimé ne pas oublier mes lunettes de soleil au bureau. Oublier les lunettes au bureau? T'es sérieux? Et en plus, je n'ai pas besoin de lunettes de soleil pour voir la faille dans ta théorie. Moi j'aime bien, c'était ça. D'accord, d'accord, passons à toi, Ruby. J'ai compris, on est sort, Ruby. Et tu m'as emprunté quelque chose sans demander. Alors rends-les-moi et on oubliera vite ce qui s'est passé. Pourquoi j'aurais pris tes lunettes de soleil, Zip? C'est pas du tout mon style. Tu te souviens? Le côté pratique avant l'esthétique. Tu étais tellement pressée de montrer ton... tout nouveau shampoing 2-en-1 pour crinière. Lisse et brillante en 2 minutes. J'ai de la boue dans les yeux. Vite, donne-moi tes lunettes de soleil. Mais tu disais qu'elles étaient trop démodées. Parfois, Zip, il faut privilégier le côté pratique avant l'esthétique. Ne dis jamais à personne que j'ai dit ça. Je t'ai emprunté tes lunettes de soleil une seule fois. C'était une situation d'urgence. Mais pourquoi je te les aurais volées? J'en ai plein de toutes les formes. Eh bien, alors c'est toi, Sunny. Préparer des smoothies toute la journée en plein soleil, ce doit être... D'accord. Alors, il ne reste que... Izzy? Bien sûr. Toutes ces prises de mesure, c'était pour t'assurer que mes lunettes de soleil tiraient bien avant de me les voler. Non. Zip, tu vois, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que... Distraction! Izzy, stop! La course est finie, Izzy! Aucune issue possible! On peut régler ça tranquillement, ou alors... C'est pour toi! Et j'espère que tu aimeras! C'est... pour moi? Incroyable! Je ne t'ai pas pris tes lunettes, Zip. Je prenais seulement tes mesures pour pouvoir te fabriquer ces zipettes! T'as compris? Zip, lunettes, zipettes! Oh, merci, Zip. Génial! Dégoûtant! Le plus beau cadeau de ma vie, Izzy! Je les adore! Je crois que je les ai trouvés. Désolée. Je peux les réparer! Ah, amateur! Là, c'est une blague. Hey, mais c'était quand même amusant! Pas vrai? Le ciel est à tout le monde, attention! Allez, ferme ton fichu, Malice! Allez, 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 allez! Oh, c'est pas vrai!
Ruby, maman veut nous dire un petit au revoir. Tout va bien, Ruby? Oui, un peu mieux. Génial. Wouh! Bonjour, Zip. Je finissais juste mes bagages. Allez, viens. Prends ta valise. Ma valise? Disons que... Et voici venir les ballons royaux. On a frôlé un autre incident, Sky. Ils sont nombreux ces derniers temps, Dazzle. C'est vrai, mais vous savez ce qu'on dit, Sky. Pas d'omelette sans casser des œufs. Oh, la famille royale fait son entrée. Pour information, maman, je n'appelle pas ça un petit au revoir. Souris, Zéphirina, tout ça c'est pour toi. Ruby, non, pas de photo. S'il te plaît, Zip, juste une seule. Tu ne veux pas te souvenir d'aujourd'hui? On t'aime, Zip! Et de quelle partie crois-tu que j'aimerais me souvenir? Oh, je n'en sais rien du tout. Que dirais-tu des adieux touchants et affectueux de notre mère? La reine! Suffit! Zéphirina, tu es la future reine, alors assieds-toi, tiens-toi droite et salut! Regardez, elles sont là! Et Zip, Ruby! Est-ce que ces Pégases pleurent? Je sais exactement ce que Ruby et Zip ressentent en ce moment. Je m'en souviens comme si c'était hier. Izzy, c'était hier, justement. C'est vrai? Regardez, la reine! Oh, il me semble qu'hier encore, mes filles étaient deux adorables petites pouliches. Et regardez-les maintenant, comme elles ont grandi. Et elles me quittent. Alors, pour célébrer les nouvelles aventures qu'elles vivront ensemble, je vous présente cette œuvre. Comme je le disais, je vous présente cette œuvre, les sœurs reines. Leur envol. Zip, Léo de Zéphir ne vont pas te manquer, ne serait-ce qu'un petit peu? Je n'en sais rien. Je suis juste prête pour les nouvelles aventures qu'on va vivre. Toutes les deux, ensemble. Oui, moi aussi. Tout ce dont on a besoin, c'est d'être ensemble. Elles ont juste besoin d'être ensemble? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les valises? Fantôme! Ah! Ah! Non! 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 Ah! Fantôme! Ah! Ah! Fantôme! Ah!
c'est juste un drap. Oui, c'est mon drap. Merci, Izzy. Je me sens complètement traumatisée maintenant. Je ne vais jamais pouvoir dormir. Essaye de fermer les yeux contre les moutons Pégase et... Ah, c'est comme ça qu'une licorne chante dès qu'elle se lève le matin. Ouais, dites-moi que vous aimez vous réveiller chaque matin. Tout est tellement nouveau et matinal. Se réveiller? Mais on n'a pas dormi. Elle portait mon diadème. Elle a tout gâché. Sunny, il faut que tu fasses quelque chose. Izzy devient vraiment une colocataire de cauchemar. Ils sont sûrement grincheux parce qu'ils n'ont pas eu assez de sommeil. Et où est ma brosse à dents? Hé, hey, Sunny, j'adore ta brosse à oreilles. Mes oreilles n'avaient jamais senti la menthe fraîche. D'accord, là il faut faire quelque chose. Mais affronter Izzy, c'est vraiment trop difficile et embarrassant. Oh, allons voir Itch, il saura quoi faire. Eh bien, il me semble que vous devriez juste être honnête avec Izzy. En tant que poney de loi, je peux vous l'assurer, les amis, l'honnêteté est toujours la meilleure attitude. Hé, hey, faites moins de bruit. Pas moyen d'avoir la paix ici. Attendez un petit instant. Ah, ça c'est très aimable. Mon préféré. Merci, Itch. Et désolé de t'avoir embêté. Comme vous voyez, un cadeau attentionné peut faire des merveilles. Gentil de m'offrir une boîte. Je l'adore. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Izzy, en fait, le cadeau est dans la boîte. Tes propres affaires pour que tu n'aies plus à prendre les nôtres. Oui, c'était du genre très agaçant. Eh, l'honnêteté est la meilleure attitude, pas vrai? Oh, eh bien, dans ce cas, je n'aime pas vraiment tous ces cadeaux. L'honnêteté! Je prenais juste des selfies de mon petit déjeuner comme Ruby. Je coiffais ma crinière comme Zip. Je frottais mes oreilles comme Sunny. Je n'ai jamais vraiment vécu avec des amis avant. J'essayais juste de vous ressembler un peu. On aurait dû être honnête dès le départ. Izzy, tu n'as pas à essayer de nous ressembler. Tu es déjà parfaite comme tu es. Oh, génial! Parce qu'essayer de vous ressembler, c'est trop fatigant. J'en peux plus. On doit faire quelque chose.